Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de tricoter et crocheter. Voilà comment on va réaliser ce châle. Vous avez un aperçu. Et voici donc avec cette jolie laine, avec un petit dégradé. Donc c'est parti maintenant. Pour cela, donc j'ai utilisé la pelote Rouliax Baba Cotton. C'est 800 mètres, 200 grammes et en crochet avec un crochet 3,5. Voilà, vous pouvez aller un peu plus, voilà, utiliser quelque chose d'un peu plus, donc 4 par exemple. Et un marqueur, ça peut être pratique aussi. Donc, on peut y aller maintenant. Alors, on commence avec un nœud. Donc, un nœud glissant. On met donc notre crochet dans l'anneau et on va chercher le fil. Et on fait maintenant 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on va faire 10 brides au niveau du nœud. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et maintenant une double bride aussi donc dans ce cercle pour finir. Et là on peut tirer et on ferme le cercle comme ceci. On arrive à la deuxième rang. Je laisse le chiffre de côté, comme ça vous pouvez voilà, toujours vous trouver, vous y retrouver. Alors on commence. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, je tourne le travail et on va faire à nouveau encore 6 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, on arrive avec une maille en l'air. Donc j'ai ma double bride que j'ai réalisée. Première bride, donc la deuxième, et là je pique et je fais une maille coulée. Ensuite, 5 mailles en l'air. Dans la deuxième bride encore, je vais faire une maille coulée. Ensuite, 9 mailles en l'air. Et là, donc, dans la troisième bride, donc cette fois-ci, on saute deux brides. Et dans la troisième, on va faire une maille coulée. Et encore, 5 mailles en l'air. Et on va donc dans la deuxième bride, on saute une bride du coup, on fait une maille coulée. Et ensuite, donc 6 mailles en l'air.
Et ici, dans la cinquième maille en l'air, on fait une triple bride. Donc on va piquer ici et on va chercher le fil. Donc dans une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc ça, c'était la deuxième rang. Donc on peut marquer. Donc on peut marquer le milieu ici, mais pour l'instant on le voit encore. Alors on n'a pas besoin de marquer encore. Mais ça peut arriver après dans le futur du projet que vous ayez besoin de le voir parce que bon, bah, ça fait. Ça sera plus visible. On commencera un petit peu à se perdre sinon. Donc on est parti. Donc, troisième rang. Donc 5 mailles en l'air, on tourne, et au niveau de ces 6 mailles en l'air, là je vais faire donc 8 brides. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ensuite, là, à ce niveau-là, on fait une maille serrée. Et ici, on arrive avec 10 brides. Donc, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et au niveau du petit pont, on peut à nouveau faire une maille serrée. Et là, on arrive avec 8 brides, tout simplement. 3, 4. 5, 6, 7 et 8. On arrive avec une double bride. Donc on a 4, 5, 6. Donc dans la sixième maille, on arrive et on crochette une double bride. Voilà donc ce que ça donne. On arrive à la quatrième rang. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on en fait 6. Après on fait à nouveau 6 autres mailles en l'air pour le premier pont. Dans la troisième bride, on fait une maille coulée. Ensuite donc 5 mailles en l'air. Et la troisième bride, donc on en saute 2 et on va en piquer dans la troisième et on fait une maille coulée. Donc on reprend. Vous voyez, en fait, on est vraiment au milieu
de ces brides-là. Donc maintenant, 7 mailles en l'air. Et là, je vais crocheter au niveau de la deuxième. Donc maille coulée au niveau de la deuxième bride qui arrive, qui commence. Donc on fait 5 mailles en l'air maintenant. Et là, on saute juste une bride et on va de nouveau crocheter donc dans la suivante, donc celle d'après. Et maintenant, 9 mailles en l'air. On saute deux brides et puis on va faire une maille coulée. Et on continue, encore on fait 5 mailles en l'air et on saute une bride et on va faire une maille coulée dans celle d'après. Et on fait à nouveau donc 7 mailles en l'air. Donc 7, on y est. Et donc la troisième bride, ici donc on en saute 2. Ici donc on va faire une maille coulée. Et on va faire un petit pont de 5 mailles en l'air. On saute 2 brides. On va piquer donc dans la troisième. Et 6 mailles en l'air. Et à nouveau, on fait une triple bride. On va piquer donc dans la cinquième bride. Donc la plus haute. Et là, on va faire... Voilà, notre triple bride. Et le troisième rang est terminé. Donc on a en fait là à nouveau préparé la base et donc dans la cinquième, on introduit à nouveau les brides. Alors là, on commence avec 5 mailles en l'air. On tourne le travail et on va faire donc à ce niveau-là donc 8 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 et 8. On fait là une maille serrée. Donc 1, 2, on va faire un nouveau 8, hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, au niveau du petit pont, à nouveau, maille serrée. On fait une maille serrée. Et là, on y va à nouveau et donc on fait 10. Alors 5, 6, 7, 8, 9. 10, une maille serrée, et on arrive à nouveau à un pont avec 8 brides, et
4, 5, 6, 7, 8. Une main serrée. Et là, au niveau du petit pont, ouais, là aussi, on voit des 6 mailles en l'air. Un nouveau hybride, c'est ce que l'on va réaliser. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. Là, on arrive avec une double bride. Donc, voilà ce que donne la cinquième rang. Donc, ça se change à chaque fois entre donc nos rangs avec les mailles en l'air et le rang avec les brides. Donc on commence. 6 mailles en l'air. 1 tourne. Et à nouveau 6 mailles en l'air. Donc c'est là où on va arriver, donc les 8 brides. Les 8 brides. Ici, on saute deux brides, on va faire une maille coulée, donc la troisième. À nouveau, petit pont, 5 mailles en l'air, on saute deux brides, on va piquer et faire une maille coulée, donc dans la troisième. Et on fait maintenant donc 7 mailles en l'air. Et là, on saute deux brides au niveau du pont suivant. Et donc, dans la troisième, on va faire une maille coulée. On fait 5 mailles en l'air. Et on saute donc deux brides, la maille coulée. À nouveau, 7 mailles en l'air. Et on va arriver au pont suivant. Donc ici, je saute juste la première, donc cette bride-là, et je vais dans la deuxième. À nouveau, petit pont de 5 mailles en l'air. Et ici, donc je saute à nouveau une bride uniquement. Et ainsi de suite. Il y a 9 mailles en l'air pour le milieu. Donc le pont du milieu a toujours 9 mailles en l'air. Je saute de bride et je vais piquer, donc et faire une maille coulée dans la troisième bride, au niveau de la troisième bride, hein. Donc sur la maille de la troisième bride. 5 mailles en l'air, je repars. Ici, donc je vais sauter une bride et je vais donc piquer donc, dans la suivante. Et on continue. Donc, 7 mailles en l'air pour le grand pont. On va là sauter deux brides au niveau du pont ici. Et on va voilà, dans la troisième. Piquer la troisième, faire 5 mailles en l'air. On saute deux brides et on pique donc, dans la maille de la troisième bride. 7 mailles en l'air. Prochain pont, on saute à nouveau les deux premières brides, on fait notre maille serrée, maille coulée, pardon. Et puis là, on fait un petit pont de 5 mailles en l'air. À nouveau, on saute deux brides et on va piquer, donc faire une maille coulée donc, dans la troisième bride, au niveau de la maille de la troisième bride. Et on arrive près de la fin du rang. On fait 6 mailles en l'air.
Et ici, on fait un triple bride. Donc dans cette dernière maille, des mailles en l'air. Et nous y voici. Donc à nouveau nos bases pour faire les brides par-dessus. Et donc dans la septième rang, et là on peut rajouter donc 8, une maille serrée, 8 brides, une maille serrée, 8 brides, une maille serrée. Ici il nous faut 10 brides. On repart avec une maille serrée, 8 brides, une maille serrée, 8 brides, une maille serrée, et puis 8 brides. Et une double bride dans la sixième maille en l'air. Et en fait, c'est ça que vous allez répéter à chaque fois. Mais c'est vraiment le principe qui se répète. Et ça se répète. Voilà, donc les rangs, ça commence et ça termine toujours de la même manière. Et après, il faut juste accorder. Voilà. Donc c'est très simple. C'est pas trop compliqué, on va dire. Et c'est vraiment un effet très joli que ça donne à la fin. Donc j'espère que ça vous a plu. Bien sûr, voilà, donc si c'est le cas, aimez la vidéo. Laissez des commentaires, des avis, des suggestions, voilà, dites-moi ce que vous en pensez, et puis abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, on se dit à très vite, salut !